Bonjour. Je me présente. Je m'appelle Enrico Marini. Je fais le plus beau métier du monde. Donc, je suis auteur de bande dessinée. Je suis auteur des Aigles de Rome, une BD que j'ai fait, que j'ai scénarisé moi-même. Mais normalement, je travaille aussi avec des scénaristes, donc notamment sur la série Le Scorpion, Gypsy, Rapace. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Étoile du désert. Mais je ne vais pas nommer tous les scénaristes, c'est pas important. Les scénaristes, c'est pas important. N'oubliez pas les titres, par contre. Les titres, c'est important. Disons que, évidemment, quand j'ai commencé, je savais plus ou moins ce que je voulais faire. À fur et à mesure, évidemment, des choses se sont développées d'une autre manière, mais j'essaye de suivre quand même l'idée que j'avais dès le départ. Le fait que les lecteurs apprécient, enfin en tout cas que j'ai un lectorat qui apprécie ce que je fais sur les Aigles de Rome, me permet de développer certaines choses que j'aurais peut-être pas pu faire. Donc, au tout début de l'histoire, j'avais même imaginé de faire un diptyque, peut-être trois volumes. Mais j'ai très vite vu que ce que je voulais développer demandait plus de temps, plus de place. À la base, je voulais raconter une histoire d'amitié. Donc c'est ce que c'est. En fait, pour moi, c'est avant tout une histoire d'amitié pas facile. Une histoire d'amitié qui se brise à un moment. Donc deux personnages, un romain et un barbare, qui passent un certain temps de leur enfance ensemble, qui grandissent pendant un certain temps ensemble, qui deviennent très amis et qui, par la force des choses, par la force des événements qui les entourent et leur statut et ce qu'ils représentent, sont obligés de se séparer ou vont être obligés à se séparer. Et se retrouver plus tard dans des camps opposés. Donc c'est une histoire, enfin l'idée de départ est très classique, la démarche est très classique, mais le contexte historique ne l'est pas. Un des personnages un des deux héros de mon histoire a réellement existé, et même si on sait très peu de choses sur lui, j'essaye de montrer un peu ma vision, ma vision tenant compte des événements qui ont eu lieu à l'époque. Donc, à sa façon, il a pu tenir tête à l'Empire. Donc un personnage est forcément séduisant, donc ça devient une sorte de Robin des Bois ou un sorte de William Wallace, un peu comme Braveheart. Mais moi, je voulais aussi creuser un peu dans la psychologie, dans ce personnage. Enfin, je voulais creuser un peu plus profondément dans ce personnage. Je pense qu'il n'était pas que. C'était pas seulement un héros, quoi. Ce qui m'intéressait, c'était aussi vraiment savoir quelles étaient vraiment ses ambitions. Donc, j'essaye de faire un personnage plus complexe, voilà. Et à l'opposé de ce personnage, il y a donc son ami d'enfance qui, lui, essaye d'éviter le pire, d'éviter la catastrophe. Et donc, qui forcément est obligé, quelque part, de combattre son ancien ami, quoi. Ça, c'est en gros la trame. Mais c'est avant tout une histoire d'amitié, donc c'est ça qui m'intéresse. Et d'aller vraiment très loin dans ce qu'une amitié peut supporter. Et est-ce qu'à la fin, il y a même moyen d'une réconciliation ou pas? Va savoir, on ne sait pas. Donc c'est ça qui m'intéresse. Voilà.